Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année et puis vous dire que ça va être un peu compliqué en janvier. Donc je m'excuse d'avance si vous n'avez pas votre dose de Spiritfarer hebdomadaire, parce qu'il risque d'y avoir quelques petits trous dans le planning. Je suis désolée d'avance. On va tout de suite reprendre nos aventures. Et c'est parti. Donc on était visiblement de nuit. Et que je reprenne. Voilà. On avait cuisiné quelque chose. Eh bien, j'ai joué un peu avec le wiki et j'ai obtenu des champignons grillés. Parfait. Donc on a Beverly. À qui Beverly. Lily. À qui on peut faire que des câlins. Et je parle de Beverly parce qu'on avait un transparent à projeter dans la salle d'archives qui est tout en haut. Mais ce sera 2 jours. Puisque là, il fait nuit et que tout le monde est parti se coucher. Alors, où est-ce qu'on était? On était ici, à Nordweiler. Il y a potentiellement des choses à explorer sur le côté. Ah, on a trouvé Dragon d'or par là. C'est parfait. Alors, sachant que, du coup, Elena, voilà, Elena nous a donné comme objectif d'affronter le Dragon d'or en moins de 7 minutes. Et on a un trésor à trouver en 34-69. Peut-être que 34-69, c'est pas si loin. 34-69. 34, ça va être par ici. Et 69, ça va être par là. Ça va être du côté d'Albert. Ok. Ça fait un peu loin pour y aller à pied. Par contre, ce que je ferais bien, c'est explorer un peu. On va peut-être aussi expérimenter un peu plus au niveau des recettes. Il y a toujours des recettes qu'on n'a pas trouvées. Ça commence à se faire rare. Ah, ça pourrait être des caramels ou des choses du genre. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça? Des bonbons ou des caramels? Des bonbons avec juste du sucrant. Mais il y a peut-être moyen d'avoir du caramel en mettant du sucrant et quelque chose d'autre. Peut-être pas un œuf. Du lait? Non, je mets du sucrant et du lait. Je suis pas convaincue. C'est déjà fini? Non, caramel au beurre, on avait déjà, visiblement. On va aller voir sur la carte ce qu'on a. Rien de plus. Je vais quand même pousser un petit peu. Et en profiter. Pour jardiner. On n'a rien besoin en particulier, il me semble. Donc, mais un petit peu de tout. Et un petit peu de n'importe quoi, surtout. Le but étant d'arriver au matin. Ok, donc il n'y a pas plus de ville de ce côté-là.
aura peut-être moyen. En remontant par là, je m'attendais quand même à quelque. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose, mais tant pis pour nous. De la gelée scintillante, j'en veux bien, donc je vais faire ça. On va doucement aller vers le dragon d'or, hein. C'est l'objectif. On a des graines étranges, on va les planter. C'est toujours utile. Petites patates, ouais, allez, des petites patates. Faudra que je pense à réorganiser mon bateau. Notamment pour avoir les choses comme le cellier un petit peu plus proche. Et je pourrais pêcher aussi un petit peu de temps en temps, ce que je fais pas toujours. Et on commence les ventes, bien sûr. C'est l'objectif. C'est vrai que maintenant, je peux faire des choses comme ça. Ah, pas recharger assez vite. Elle passe très vite, je la vois. Et je l'ai encore loupée. Pas déjà fini. Ah bah si, c'est déjà fini. Ok. Oui, je vais plutôt changer histoire de que ce soit plein. Il y a enfin la journée. On nous dit enfin bonjour, je vais passer Elena. On va surtout faire ça, sonner la cloche. Et du coup, on va choisir une destination. Donc on a dit qu'on allait par là. Donc on va tranquillement aller là. Ici, il y a quoi? De l'érable, du calcaire, des framboises. On a une quête secondaire où il faut attraper des framboises. Donc on va pas se gêner. Je vois que j'ai des petites choses sympas ici. Ramasser. Et c'est parti, on va essayer de trouver tout le monde et dire bonjour à tout le monde. Voilà. Élève, j'ai un souvenir que je chéris particulièrement. C'était un jour après un cours de gym particulièrement turbulent. Ils sont revenus à ma chambre. Fulminant d'hormones et de désespoir. Une de mes premières années à ce travail, modelant les esprits de la jeunesse, qu'ils m'ont dit. En tout cas, je ne pouvais contrôler aucun d'eux. Ils ne se tenaient pas tranquilles une seconde. Je n'ai rien modelé cette journée-là. J'ai cédé. J'ai commencé à crier. C'était la seule chose que ces monstres pouvaient comprendre. Je leur ai dit des vérités qui auraient dû se révéler par elles-mêmes que plus tard dans leur vie. Quand tu perds un parent, quand tu perds ton meilleur ami, quand tu perds ton travail, quand tu t'écroules de l'intérieur,
Après un épisode comme celui-là, j'aurais dû retenir la leçon. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dévouée au talent et à l'excellence. J'ai promis de ne jamais céder une autre fois, et j'ai endurci ma détermination. Et je prends une gorgée de thé, et on va la nourrir. Alors, on sait qu'elle aime pas les aliments fins et qu'elle aime la salade verte. Et je ne sais pas si j'ai une salade verte. J'en ai une. Ah, par contre, ça lui va pas parce que c'est exactement ce que je lui ai donné la dernière fois. Que va-t-on tenter? Ok, donc un chai. Non, non, non. Je viens de faire une bêtise, pas avec elle. Voilà, je viens de réussir à la rendre plus triste que prévu. Ne surtout pas faire de câlin à Elena. Du coup, vu qu'on s'est arrêté, c'est qu'il doit y avoir nos caisses. Où j'ai pas saisi la destination. Parce que je ne vois pas de caisse. Non, parce que j'ai pas dit les caisses, j'ai dit aller chercher des framboises. Tout simplement. Allons à la pêche aux framboises. Oui, je sais, les framboises, ça se pêche pas, mais c'est pas grave. Deux framboises, plus deux framboises. Un petit peu de minerai. Et pas d'autres framboises. Je dirais bien malédiction, mais bon, 4 framboises, c'est déjà pas mal. On va aller du coup direction les caisses et ensuite direction le dragon d'or. Sont là. Ah, il y a Francis. Francis. Ai-je des choses à faire avec Francis? Vu qu'il y a Francis, je vais chercher des poires. Puisqu'on sait que Francis a des quêtes qui demandent parfois des poires. Donc Francis nous dit que c'est notre jour de chance, comme d'habitude. On va pouvoir lui vendre nos choses. Donc on peut vendre le choco-choc. On peut vendre les vieux souliers. On va en garder parce qu'on peut faire de la colle avec. Et on va vendre quelques coquilles. Voilà. On va acheter du coup parce qu'on vient de lui vendre. Mais. Une graine et on va regarder un peu ce qu'il a. Donc la potion d'expérience, j'ai toujours aucune idée de comment on la fait. Je pourrais faire du tissu de nébuleuse, tout à fait. Voilà, moi c'est ça que je veux. Même si ces graines de pêche, ça m'intéresse pas, c'est plus que ça. C'est cool. Vu qu'on vient de faire la gelée, on peut faire ça également. Et le reste, ben ça le fera. C'est pas fichou.
Mais c'est toujours ça de pris. D'ailleurs, j'avais des expériences ratées, mais j'avais peut-être des repas ratés aussi. Ce serait pas impossible. On va aller. Ah, Elena va de nouveau parler. Je ne me suis jamais vraiment sentie utile avec les plus doués. Je n'ai pas non plus pris plaisir à casser les esprits les plus fidèles, les plus faibles, les voir avoir de la difficulté. Ne pas savoir pourquoi ces défis leur ont été imposés. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Ils devaient être là, en classe. Ils avaient une seule tâche, écouter. Ils étaient à peine capables de faire ça. Et j'ai aimé chaque instant de cette expérience. Parce que malgré la difficulté, ils apprenaient. Apprendre à survivre. Apprendre à être meilleur. Apprendre comment arrêter de porter un fardeau et devenir un leader. Et ma manette me dit que on est arrivé. Puisque elle vibre quand on arrive aux caisses. Je re-ramasse des coquilles vides. Parce que pourquoi pas. Donc c'est une caisse normalement d'assez bas niveau. Hein. On va pas s'attendre à des choses de fichou. Ça, hein, des carottes. Et compagnie. Et pas de petits spots ou plongées. Eh bien, c'est pas grave, c'est déjà plus que satisfaisant. Et on a dit les bonbons, c'était du sucre tout seul. Qu'est-ce que ça peut être l'objet qui nous manque? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va aller voir ce dragon d'or et qu'on va peut-être aussi avoir le temps d'aller regarder notre transparent avant d'y arriver. Donc on choisit le bon. Donc là on a un. Ok, on a un classeur avec différentes choses dedans. Je trouve ça assez intéressant. Strasbourg 1944. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce paysage. J'aime le look de ces maisons. Elles sont si magnifiques. Mon père était obsédé par cette architecture. C'était un vétéran. Il est allé outre-mer et est tombé en amour avec ces bâtiments. Même sur le champ de bataille, il avait sa caméra accrochée autour du cou. Il prenait toujours des photos. Peux-tu le croire? Malgré la violence et le carnage, il trouvait tout de même la beauté. Voir tous ses bâtiments s'effondrer a eu tout un impact sur lui. Il n'en parlait pas beaucoup. La guerre, je parle. L'architecture est devenue plus qu'un. Il en parlait tout le temps. Est-ce que je t'ai dit que j'avais perdu mon sac à main avec le carnet d'adresse et la broche de ma mère? Je ne pense pas. Alors, ce sac à main contenait cette photographie. Je la prenais de. Laisse-moi prendre une petite pause. C'est parfait, on a des petites choses à récupérer ici. Des petites choses à récupérer là. Et on va aller affronter le dragon! J'ai trop sauté. Tout à fait. Élève! Une nouvelle tâche. Cette créature a mal. Elle saccagera tout et se battra. Ce sera un bon défi pour toi. Et autant que tu n'oublies pas ton habileté à s'élancer. Go! Je vais te chronométrer, évidemment. Ok, donc il va falloir qu'on s'élance. Moi, je veux bien. Je veux surtout un dragon. Effectivement, je vois le chrono. Ok, c'est là.
falloir monter par ici, je pense. Par là. Oh, ok. Punaise. Je perds du temps de façon monumentale. Et je vois l'intérêt de s'élancer. Surtout combiné. Oh. Je vois rien. Where is mon dragon? Ah, punaise. Droite ou gauche? Ok, il y a ça qui vient et qui descend. Donc. Ouais, il faut pas le louper, sinon ça se recharge. Effectivement, on a l'air con. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire en moins de 7 minutes du premier coup. Hein. Hop. Pinaise. Ok, donc en passant seulement. En sautant, ça passe pas. Ou alors, c'est juste moi qui suis nul. En sautant, ça passe. Par là. Il n'y a pas de piège. Ok, par là. Par là peut-être. Oui, je te sens vibrer, manette, mais si tu me dis pas de quel côté faut que j'aille, moi je peux pas deviner. Ça se recharge. Oh, ok, ça va être tendu ça. Ah, parce que là tu timer ma. Ah, je pouvais peut-être faire un peu mieux. C'est pas évident. Surtout quand on le fait pour la première fois et qu'il faut un peu visualiser tout ça. Donc on attend que ça descende, ça va remonter et ça va remonter comme il faut. Sauf que non. On perd du temps, Chobiti, on perd du temps. Du temps et j'y arrive pas. Et le problème c'est que vu qu'il y a un rechargement, je vois pas comment gérer ça. Je peux pas faire les trois sauts. Je peux pas faire les trois sauts. Ah, reviens! Ça va être un fail, je le sens. Ça m'attriste d'avance. C'est passé, il suffisait que je me taise. Y a rien là. Y a rien du tout. Ok. Il y a l'air d'avoir des courant.
C'est tendu cette histoire. Pinaise! Sauf que je peux pas. Non. Faut que je réussisse à monter sur le grand. Comment on monte sur le grand? Je ne sais pas. Je vois pas de courant. Et j'ai pas l'impression de pouvoir sauter plus haut. Ah putain, si. Ok. Il y a un tout petit endroit où on peut sauter. Non. Ah, c'est foutu, hein. C'est foutu, c'est foutu. Il reste 30 secondes. J'arrive pas à ce tableau. Censé aller de quel côté? Alors. Non, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, hein, c'est évident, c'est un nouveau tableau. Le temps que je découvre les tableaux, c'est foutu. Ah, surtout si en plus je panique. Ouais, faut attendre qu'ils redescendent. On va quand même le faire, hein, parce que c'est foutu pour le timer, mais c'est pas foutu pour notre or. Ah, zut, zut. C'est pas évident non plus quand ça se dézoome comme ça de voir si la lanterne est chargée ou pas. Alors qu'on s'entraîne un peu pour y arriver. Mais je remonte comment moi? Il n'y a aucun endroit pour remonter là. Ouais, dès que t'es tombé, c'est foutu. Voilà. Là, on peut remonter. Et puis, comme à chaque fois, je sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche, bah j'attends. J'attends qu'on me le dise. Bon, bah. Elle va pas être contente, hein. Ce n'était pas de la tarte non plus pour les plus doués. Ils avaient leurs propres défis. Ils n'étaient plus que des réceptifs au test. Ils ont été très bien récompensés pour leur dévouement. Les plus faibles, comme les plus doués, avaient un monstre à dompter. Et ce monstre, c'était moi. Je suis l'ennemi dont ils vont se souvenir. Je suis le dragon qu'ils ont essayé de tuer, avec leur dur labeur et une dévotion complète. Les autres, ils ont pleurniché et sont partis. Et ils sont hors de ma vue à tout jamais. Eh ben, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, en ayant déjà un peu une idée de ce à quoi s'attendre. Mais ce sera, eh bien, peut-être pour un prochain épisode.
puisqu'on va se laisser là. Je sonne la cloche et c'est parti. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!